dirait une graine. Oh, elle vient de l'arbre d'Aphrodite. Mais Typhon l'a empoisonnée. Il l'oblige à garder sa propre essence. C'est pervers quand même. Phénix devait brûler les graines pour faire souffler le vent de la pureté. J'arrive, Aphrodite. On va se débarrasser de cet état. Huh.
Allez, brûle, saleté. Eros ferait bien de se calmer un peu. Il n'y a qu'une divinité de l'amour sur l'Olympe. J'ai aidé Athéna en lui disant d'arranger le nid de hibou qui lui sert de cheveux. Oh là là, ma chérie, ce casque, ça va pas du tout.
C'est ça. Flambe.
maîtresse pense peut-être qu'il me tient à sa botte, mais je fais ce que je veux. Aussi chaud qu'une flamme éternelle. Tu vas redevenir toi-même, Aphrodite.
Si j'avais pu aimer quelqu'un comme Héphaïstos. La vue de son visage donne envie de sombrer tout entière dans le Styx. Et en bas, oh, autant dire que ce n'est guère mieux. Je ne voulais pas être si dur avec Aphrodite, tu sais. Parfois, on pense faire preuve d'amour envers quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est là que pour assouvir nos propres besoins. Tu veux dire qu'en réalité, j'ai besoin d'être protégé? Pas exactement, mais... Non, mais c'est vrai. Je dois me montrer fort pour tout le monde. Mais il n'y a personne pour veiller sur moi. C'est dur. C'est très dur, tu sais. Je te ferai volontiers un câlin, mais je suis enchaîné. Me trouvait tellement menaçante qu'il m'a marié au premier prétendant inoffensif qui s'est proposé. Je méritais mieux qu'Héphaïstos. C'est faux. Il avait trouvé le moyen de me forcer la main, ce qui est impressionnant. Alors je me suis dit qu'il ferait un bon fils. Mais c'était déjà ton fils. Peut-être, mais c'est la seule fois où il en a été digne. Ah!
célébrer, et non pas dissimuler. Ah!
Si des gens se sentent menacés par ma beauté, c'est leur affaire, pas la mienne. Je suis née pour être vue. Une note ténue de parfum flottait dans l'air. Cette senteur, c'est à la fois la gêne, le pouvoir et la crainte. C'était l'essence d'Aphrodite. Le dédain dans toute sa splendeur. Impassible devant les pensées teintées de jalousie qui peuplaient la crypte, Phénix était résolu à rendre à Aphrodite son essence. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? Je t'avais dit que je te rapporterais ton essence. Je n'en doutais pas, mais... Me vois-tu sous un jour différent, maintenant que tu connais mes pensées les plus noires ? Loin de là. J'ai hâte de connaître ta vraie nature. Parce que, entre nous, Hermès a vraiment besoin de changer de coiffure. Hein ? Quoi ? Oh, très bien. Je suis prête.
puissent ta passion et ton amour être à jamais infinis. Lève-toi, Aphrodite, déesse dorée. Tu restes sans voix ? Oh, je comprends. Te rends-tu compte qu'il a fallu que tu me persuades de réintégrer ce corps ? Quand j'y pense, sans toi, j'aurais fini par perdre tout amour-propre. Bah, ça, je te l'ai volé il y a des années. Clairement, oui. Tu donnes l'impression de t'aimer beaucoup trop. D'ailleurs, à l'occasion, tu devrais faire une lessive. Non, oh, ravi de te retrouver. Phénix, accepte ma dernière bénédiction en remerciement. Prête à vaincre Typhon ? Je suis même impatiente d'en finir avec l'horrible bête qui m'avait volé ma beauté. Mais il y a une autre chose pour laquelle j'aurais besoin de ton aide. Dis-moi ce que c'est. Typhon a fait sortir du Tartare 4 bêtes mythiques afin de terroriser les créatures de l'île d'Or. Si tu parvenais à les tuer pour mettre fin à leur règne, je t'en serais extrêmement reconnaissante. En temps normal, je m'en ficherais, mais je m'adoucis, que veux-tu ? Je vais m'en occuper. Je n'en attendais pas moins.